Salut tout le monde, la Reds Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Lurcy-Lévis, je suis venu voir Jean-Marie avec sa Mini. Dedans, il a monté un moteur de Ninja 1000. Ça marche plutôt pas mal. Allez, voilà ce que ça donne.
Alors maintenant qu'on a vu ce que ça donnait sur le circuit, on va faire le tour avec Jean-Marie. Donc Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Donc raconte-nous un peu l'histoire de cette voiture. Pourquoi ça? Pourquoi? Oula. Comment? Pourquoi cette voiture? Pourquoi cette voiture? Bah, parce que je l'ai tombée à la casse. Ouais. À la déchetterie. Non, pas à la déchetterie, chez un copain qui est ferrailleur et il m'a dit que ça me fait de la peine de l'écraser parce que elle est mignonne, elle était jolie, bah, elle était pas dans cet état, mais. Et du coup, quand j'ai réfléchi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah écoute, si ça m'intéresse, quoi. Il me l'a vendu, je sais pas. Il me l'a livré. Et puis je savais pas trop quoi faire au début, j'ai dit je vais peut-être la remettre d'origine, mais il manquait trop de pièces. Ouais. J'avais pas la carte grise au début. Enfin, j'en avais trouvé une. Mais au début, j'avais pas la carte grise, donc j'ai dit bon, je vais faire une connerie, quoi. Pour faire la piste par exemple. Et puis voilà, je me suis renseigné déjà pour tourner sur piste comment ça se passait, si on avait le droit à des swaps, des choses comme ça. Je connaissais pas du tout. Et puis j'ai un copain quelqu'un qui est devenu un copain maintenant et qui était qui lui faisait la piste avec une petite voiture pareil, un peu dans le même style. Donc il m'a expliqué un peu comment ça se passait, puis c'était tout simple en fait. Moi je me faisais une montagne, je me disais qu'il fallait plein de papiers, mais en fait il faut pas grand chose. Un dossier en fait, non, pas tant que ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, donc je me suis lancé d'abord déjà la restaurer un petit peu, tu vois, elle était pourrie au niveau des bas de caisse, elle était pourrie, il n'y avait pas de corrosion perforante qui sont courants sur ces modèles, hein, oui. Elles sont presque toutes comme ça à l'origine. Ouais. Et du coup, donc je l'ai retapé, j'ai commandé les pièces pour retaper déjà partiellement, pour dégrossir, on va dire, sans vraiment encore savoir ce que j'allais faire. Ouais. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, de toute façon, moi, si je fais de la piste avec une propulsion, c'est pas avec une traction, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et après, j'ai vu que le moteur de ce véhicule est prévu pour être devant. Mmh. Je me suis dit, si je passe derrière, le poids devant ne va plus en avoir. Elle sera plus équilibrée. Je pense qu'au niveau. Déjà, elle a été étudiée pour avoir un moteur devant, au niveau des trains roulants, tout ça, du train avant. Donc, j'ai préféré passer le moteur devant et puis mettre le pont, carrément un train arrière complet de BMW. C'était une E30. 324 TD, je me souviens, il m'a vendu ça sur bon coin. Et il m'a dit, ouais, c'est un diesel, j'ai que ça. J'ai dit, ça fera l'affaire. Hein. Ok. On fait avec, hein, pour. Et puis c'était juste avant le confinement, le premier confinement là de. Et puis, j'ai pu monter un petit peu sans avoir de moteur au début. Et puis pendant le confinement, j'ai trouvé un moteur. Puis ça m'a permis bien d'avancer le fait qu'on ferme pendant. J'ai fermé un mois à peu près. Là, j'ai avancé. J'ai pu installer le train arrière comme il faut, finir le machin. Et puis le moteur, je l'ai trouvé pas trop loin de chez moi, le premier moteur, pas celui-là. Pendant le confinement, à une trentaine de bornes, donc j'ai fait une petite fiche pour déplacement et puis j'ai été le chercher chez le gars. Je l'ai installé, ça a marché, j'ai fait une année comme ça. Ensuite, j'ai vu que ça fonctionnait pas trop mal en mécanique. Niveau tout ça. Donc je me suis dit je vais mettre un truc qui marche un peu mieux. Et j'ai un copain, donc le fameux copain qui a monté sa Fiat avec le moteur moto dedans. Et lui, il avait un moteur aussi de rechange. Je lui ai dit, sérieux, quoi. Il me dit, je te le vends. Donc on a mis celui-là, je te le fais voir. Là, on va voir un peu ce que ça donne. On l'a remis, celui-là, qui est beaucoup plus petit que celui que j'avais à la base, qui était un ancien de. Des années 90 par là. Ouais. C'était un CBR, CBR F exactement. Ouais. C'est une grosse routière de l'époque. Et elle avait une 130, je crois que c'était dans les 130 chevaux à la base. Mais bon, après, elle avait 90 000 km, donc peut-être qu'il n'y en avait plus tant pour ça. Et celui-là donc fait environ 175 apparemment sur le papier. Je n'ai jamais mesuré. En sortie de boîte, je crois qu'il sort. Ouais. Donc il y a eu sûrement de la perte au niveau de la transmission. Peut-être un petit peu, ouais. Mais ça pulse quand même pas mal. Ouais, ça envoie quand même, ouais. Ouais, ça, par rapport au châssis, tu vois, c'est assez, assez puissant. Donc au niveau après, train roulant tout, train avant, c'est la Mini. En fait, je suis reparti sur le berceau de la Mini.
y a un berceau en fait qui tient tous les triangles et tout ça. Donc ça j'ai gardé. Donc les trains roulent, enfin le berceau triangle c'est d'origine de non, la mine. Berceau oui, triangle, j'ai mis deux, il y a un tirant d'accord. Dans ce sens-là qui est réglable et un autre, donc un bras inférieur qui est réglable aussi. D'accord. Ça c'est un kit qui est vendu sur un site de mini quoi, ouais. Que j'ai mis pour pouvoir régler la chasse et tous les angles quoi, comme il faut. Sinon le freinage c'est la même, c'est l'origine, d'accord. À l'avant. Ça reste la mini, mais c'est déjà des doubles pistons. Ok. Vu que c'est pas lourd, hein, bah ça freine. Hein. Tu vois, ça sur un circuit comme ici, pas besoin de mieux. D'accord, donc les plaquettes, c'est des plaquettes non, c'est des EBC simplement. Mais okay. Je sais pas exactement si ça change quelque chose par rapport à d'autres. Si c'est plus efficace que d'autres, j'ai jamais essayé. Mais voilà, j'ai pris le modèle, c'est marqué que sport, c'était mieux. Voilà, ouais, c'est marqué pour le sport et voilà quoi. Pour l'arrière, bah, c'est le train BM. Donc c'est carrément le train complet. La BM E30, donc c'était vrai E30, ça doit être des années 80, je crois. 80, je sais pas. Par contre, sur dessus, il y avait des tambours. Donc là, j'ai mis des disques de. Qu'est-ce que c'est? De Seat Ibiza et des triers parce qu'en fait, j'avais ça en stock. Non, T'as adapté vraiment. Donc j'ai soudé sur une patte, j'ai soudé des pattes en fait sur le train arrière, sur le bras quoi. J'ai soudé une patte qui adapte l'étrier. Et puis le moyeu, je l'ai peut-être passé autour pour pouvoir insérer le disque. Parce qu'il est juste un peu plus gros, mais par contre c'est la même. Les Anthrax BM et Volkswagen, Renault, c'est tout pareil. Ça c'est des jantes de Renault dessus. Okay. Moi c'est des Renault 13 pouces en tôle basique. C'est un copain qui travaille en casse, il les récupère. Vu qu'ils en vendent plus, il me dit bah j'en ai plein ça, je peux t'en récupérer. Allez, tiens. Alors à l'avant c'est aussi 13 pouces, c'est la même taille qu'à l'arrière, par contre c'est le déport. Comme on voit là, le déport intérieur. Oui. Par rapport aux jantes, et ben là c'est un déport qui est un petit peu plus extérieur, puisque le train arrière, d'origine la voiture est plus large, donc le train arrière est plus large. Comparé à la mienne. Donc pour compenser, j'ai mis les jantes. C'est pour ça que j'ai pas mis les mêmes jantes que devant. Ouais. Sinon ça ferait carrément dépasser de. Enfin beaucoup trop. Ça dépasserait encore plus, oui. Donc j'ai gardé, après je pourrais toujours dessouder des jantes, faire un déport ou acheter des jantes, machin. Ouais, ça va bien comme ça. Ouais, ça va bien. Le but du jeu c'est aussi que ça me fasse une voiture qui revienne pas cher. Ouais, qui te ruine pas, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pris des pièces de récup pas mal, le truc que j'avais. Après j'ai mis disque frein neuf quand même et plaquettes neuves sur les étriers sont d'occasion, mais le reste c'est neuf. Les tuyaux de frein c'est tout neuf, puis c'est tout neuf. Le réservoir, ça c'est un pote qui avait ça, c'est un truc de buggy. Je suis sur quoi c'était monté, hein. Il avait des mots comme ça. Dessous, il y a un petit réservoir tampon que j'ai fait avec un extincteur de 1 litre à peu près, 1 litre ou 2, je ne sais pas exactement, pour pouvoir éviter de déjauger. D'accord. Il y a la pompe, là ça c'est une pompe Renault qui est sur les DCI et compagnie, c'est des pompes que tu trouves sur eBay à que dalle. Ouais. Et bah, ça j'en ai une de rechange. Et dedans, là, dans le réservoir, là, au bout de ce tuyau, j'ai remis le régulateur de pression de la moto. Il y avait en fait les mécaniques, le régulateur de pression sur ces véhicules. Okay. Et j'ai récupéré, je l'ai mis au bout du tuyau et j'ai mis un T, tu vois, qui part. Enfin, on voit pas là. Il part devant. En fait, il y a un circuit qui va monter en pression là-bas et qui recrache ici quand le trop de pression, quoi, le trop. D'accord. Donc ça marche. Ah, tant que ça marche. Hein, ça fonctionne. Ça fait un moment que c'est comme ça. C'est vachement ingénieux quoi. J'aurais même pas pensé à faire ça quoi. Bah en fait c'est qu'il a fallu faire une mise à l'air. Ouais. Pour la bonbonne dessous là. Une bonbonne en fait c'est un extincteur qui est mis en ballon tampon. En ballon tampon. En réservoir. En réservoir tampon en fait. Et puis c'est quand même une mise à l'air pour créer la merde. Donc on se sert de mise à l'air pour regarder le niveau aussi. La batterie elle est là, donc ça c'est une batterie que j'ai récupérée. C'est mon oncle qui travaillait à l'hôpital
Et c'est des batteries qui changent régulièrement sur des trucs, des outils. Donc ça m'a coûté que dalle. Ouais. Et ça, j'en ai d'avance, puisqu'ils les jettent tous les 3 ans, je crois, les batteries. Alors qu'elles sont encore bonnes. Ouais, elles sont neuves. Mais c'est obligé pour les appareils. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, donc, j'ai eu un filon sur la batterie, ça marche. Donc je la laisse, c'est pareil. Bon, l'intérieur, les portes, tu vois, ça, c'est des portes que j'ai fait faire. T'as été voir quelqu'un pour faire place, sur mesure En fait, c'est sur mesure, oui. C'est le gars, il a des moules exprès pour la Mini, c'est un spécialiste. Voilà. Donc il a fait, il m'a dit, je vous fais des portes en plastique, plus la malle arrière, tu vois. Donc ouais, voilà, en plastique, en fibre, ouais. Il m'a fait ça, très fin, ça sert à rien que ce soit plus gros, hein. C'est pour fermer, et puis voilà. Et pareil là, vu qu'il y a des croix, j'ai fait un peu de sécurité, donc il n'y a plus besoin que ce soit une porte très solide, donc j'y vais. Donc là, tout est fait vraiment. Là, les sièges, c'est un copain qui fait du rallye, qui m'a donné ses sièges périmés ainsi que ses ceintures, ouais. Les harnais, quoi. Il m'a tout filé, comme ça, c'est moindre coût. L'arceau, je l'ai fait avec des tubes que j'ai achetés. Hein. Donc c'est toi qui l'as fait, l'arceau? Ouais, et tout fait maison. Là. D'accord, je pensais que ouais, c'était un kit, je t'avais pas demandé, mais... Non, ça c'est tout fait, j'ai une cintreuse, j'ai un poste à souder, j'ai une, une rogneuse à tube, donc ça c'est pour faire les gueules de loup, tu vois. Oui. Donc ça va super bien pour faire un arceau, ça c'est du tube spécial cintrable, je sais pas exactement comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Après, il est pas homologué, hein. Si vous faire de la course et tout, il manque... Il faudra une croix. Une croix au-dessus et tout il ça. Il me semble, puis de toute façon, c'est sûrement pas le bon tube. Mais c'est gros, hein. En l'intérieur c'est épais, mais c'est sûrement pas le bon numéro de tube, je sais pas combien ce qu'il faut. Mais bon, pour du track day, là, tu te retournes. Exactement, ça suffira largement, voilà, ouais, je voulais pas le faire. Le premier coup que j'ai roulé, j'avais que la boucle centrale là. Et j'étais moyennement rassuré, donc vu que entre temps ils nous ont reconfiné la deuxième fois, oui. Tu te rappelles. Ils nous ont empêché donc de rouler, alors là j'ai tout redémonté. Allez vas-y, on remet les mains. Et puis j'ai peint parce qu'elle était en brut. Je l'avais essayé comme ça, brut de décoffrage, elle était dégueulasse, ça ressemble à rien. Mais voilà, je voulais être sûr que ça roule avant de remonter, de redémonter. Puis du coup ça s'est fait plutôt que prévu, le redémontage et tout, pour tout peindre et tout ressouder et faire finir l'arceau. D'accord. Pareil, il y a eu des modifs entre temps, hein, donc le moteur... a été rechangé, mais j'ai mis une direction assistée électrique avec un réducteur, comme ça, tu vois le truc. Ouais, bleu, ouais, là. Je vois le petit. Et ça, c'est fait pour avoir une direction très directe, parce que les premiers coups que j'en ai fait, je faisais des travers, mais des fois, quand ça allait vraiment un peu trop en travers, c'est souvent d'ailleurs, ouais. Et je la perdais. Enfin, je perdais le volant, ouais, et le volant, je faisais il des tours volants. Ouais. Je me suis dit, il faut absolument que je résolve ce problème. J'ai trouvé ça sur Bon Coin, je crois, ou un truc comme ça, où je suis arrivé. Un mec qui s'est séparé du petit boîtier bleu, là. Parce que ça, neuf, ça vaut une fortune. Ah ouais. Je crois qu'il me l'a vendu 80 balles, je crois. Et ça vaut, je crois que ça vaut 200, plus de 200 euros, un petit boîtier. D'accord. Et celui-là, il est en deux tours, un tour. Donc en haut, tu fais un tour, en bas, ça fait deux tours. Donc c'est réducteur. C'est le plus... Il existe en 1,5. Ouais. Donc un tour et demi en bas pour un tour en haut. Mais voilà, j'ai pas le choix, de toute façon, ils vendaient celui-là. Et ça va très bien comme ça, finalement. Ouais, non, c'est bien. C'est... Tu vois, la direction est directe. Très réactif, ouais. Peut-être un peu trop, mais... Bon, tu l'as bien en main. Hein. Mais ouais, bon. Après, voilà, tu la rattrapes très facilement, finalement, grâce à ça. Sinon, je serais en galère. Frein à main hydraulique, je l'ai mis, mais franchement, je m'en suis servi que pour freiner le parking, quoi. Ça sert à rien. Il y a déjà assez de pistes comme ça. Oui, il y a qui sont déjà tout seul. Là, tu vois, il y a le petit potentiomètre qui sert à la direction, mais je le touche. Ouais, mais la direction, vraiment, elle est souple, elle est très... Enfin, tu l'as même vu, je suis pas fatigué, j'ai pas les... J'ai pas trop de tour de force volant. Non, je sens pas. Par rapport à mon, je suis rentré, j'étais rincé. Le peu que j'ai fait avec l'ancien, c'était raide, hein. J'ai dit, je fous pas. Non, je pouvais pas hisser comme ça. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc là, du coup, t'as gardé le compteur, t'as tout le faisceau de la moto. Le faisceau de la moto, ouais, j'ai évité trop simplifier parce que des fois... Ouais, tu coupes un truc et tu dis c'est bon, et en fait... C'est trop tard, et faut trouver ce qui a été coupé, s'il faut ressouder tout. Là, ça fonctionne comme ça. Mais faudrait que je le simplifie, parce que justement, il y a... Tout à l'heure, on est tombé à rade, pas trop où ça peut être. Alors si t'avais que le minimum syndical, ce serait bien,
Ouais. Mais j'ai pas les compétences et puis j'ai peur de faire des conneries. Alors. Oui, mais ça fonctionne. Il y a des mecs qui peuvent t'enlever, tu vois, les clés, je suis obligé de laisser ces clés-là parce qu'elles ont un anti-vol intégré. Oui. Et il y a des mecs qui peuvent l'enlever ça, en leur filant le boîtier, mais j'ai eu des retours comme quoi ça peut te payer le boîtier aussi. Hein. Ouais, donc après ça marche plus, t'es embêté. C'est pour acheter tout, un boîtier et même un faisceau avec une clé, c'est pas la peine. Ouais, vaut mieux le compteur, comme ça, ouais. Il y est, mais c'est informatif. C'est juste parce qu'il y a la température et les comptoirs, mais les vitesses ça marche pas. Oui, l'indicateur vitesse fonctionne pas. Ouais. Ouais, il est pas. Là, il y a un petit réservoir tampon, donc c'est vraiment quand il y a un trop plein dans le système, ça va là au lieu d'aller par terre. Donc c'est un réservoir tampon pour le liquide refroidissement, ouais, refroidissement. Hein. Voilà, c'est pas un tampon pour l'essence. Hein. Non, réservoir tampon chose. Pour l'essence, je suis les deux dessous là-bas. Mais c'est pour expliquer justement aux personnes qui suivent que c'est deux réservoirs complètement différents. Non, ça n'a rien, ouais, voilà. C'est que pour le liquide de refroidissement. Et c'est au cas où vraiment, je monte trop en pression, ça doit être dedans, mais ça re-aspire s'il y a besoin aussi. Ça évite une sécurité. Mais tu vois, depuis que je l'ai monté comme ça, j'ai mis l'eau, j'ai jamais retouché, enfin le liquide. Ensuite, les sièges, c'est fixe, hein, les deux. Elle est réglée pour moi, lui, la bosse. S'il y en a un plus gros, plus petit, tant pis pour lui. Elle est pour moi, de toute façon, c'est moi qui la conduis. Voilà. Les étriers de frein, pas les étriers, les mètres cylindres, c'est du Wilwood que j'avais acheté. Tu vois, il commence à rouiller. Ça, c'est l'humidité de mon garage. Wilwood, c'est des étriers. Alors, c'est des mètres cylindres que j'ai acheté sur quel site. Mais par contre, j'ai fait un système de réglage de répartition gauche-droite, donc c'est avant-arrière. Hein. Ouais. Comme sur les pédales box, ça existe déjà. Mmh. Bon, tu vois, j'ai mis un petit câble. Bon, ça tourne, si vous voulez. Mais j'ai jamais touché le réglage, tu vois, elle freine comme il faut, il n'y a pas besoin d'y toucher. Mais bon, c'est réglable, au cas où. Frein à main, donc classique, hydraulique. Ça évite des câbles, des machins. En termes de poids, tu sais combien elle fait à peu près ou à pas, peu non près, je pense dans les 600 kg. 600 kg, ouais. À peu près, parce que tu vois, j'ai encore les vitres à l'arrière qui sont un peu lourdes. D'origine, le pare-brise. Toute la face avant, le pare-brise, de toute façon, je le laisserai. Ouais, quoi qu'il arrive, je peux pas mettre du polycarbonate parce que c'est un peu trop limite. Ouais, j'aime pas bien. Ouais, j'aime autant avoir un vrai truc. C'est costaud en plus, dans le sens où il est bon. Il se déformera pas, c'est ça. Donc voilà, dedans, il y a le tunnel. Là-dedans, ça c'est la transmission. Donc l'arbre de transmission il passe là. Ouais. Il y a un relais là, en gros, un palier. Ouais. On n'y voit pas, hein, c'est tout en dedans. Ouais. Et un palier qui redresse après l'arbre. Il n'est pas direct, il a un palier ici. D'accord. Avec un renvoi d'angle ici. L'arbre de transmission, c'est du deux arbres que j'ai mariés ensemble. Il y en a un, je crois que c'est un Subaru, parce que c'est un pote qui avait ça en stock aussi. Et le diamètre du bout correspond à aller bien, parce qu'il n'est pas trop gros. Donc j'ai pu me faire une sortie de boîte. J'ai fait avec le pignon, en gros, j'ai fait une tulipe, où j'ai vissé mon arbre de soleil. Ouais, pour pouvoir reprendre l'arbre de soleil, pour transmettre jusqu'à derrière. Exactement. À l'arrière, j'ai pas touché, ça reste d'origine. Et du coup, les deux arbres de transmission sont emmanchés sur, je crois, 30 cm à peu près. Et ils rentrent pile l'un dans l'autre. J'ai passé autour pour dégrossir un tout petit peu celui qui rentre dedans de sa Subaru. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Ok. J'ai pas fait équilibrer. C'est un truc qu'il faudrait que je fasse. Et ouais, elle vibrait un peu. Je pense que ça peut être ça. Mais bon, ça a jamais. Là, les paliers, je les vérifie régulièrement. Les croisillons pour voir s'ils prennent pas de jeu, ils n'ont pas l'air de bouger donc. D'accord. Voilà. Okay, ça ensuite. Là, en amélioration future, tu pourrais faire quoi encore? Changer toute la face avant pour mettre de la fibre. De la aussi. Fibre comme ça là. Ouais. Je peux couper là. Tu enlèves tout. De la face avant, capot, les deux ça, ailes. Pour ça, il faudrait renforcer parce que le. Ouais, faire une armature. Ouais, une armature sur le. Berceau, parce que le berceau il est tenu là devant en fait. Okay. Et il y a des silent blocs, donc ce sera de monter en rigide, totalement rigide. Toi le moteur il est tout sur silent bloc. Ok. Pour limiter un petit peu les vibrations et les découpes de châssis. Quoi. D'accord. Et donc justement pour le moteur, pour les
pour fixer. Comment voilà. Tu as fait c'est... Eh ben, j'ai repris sur le berceau, parce que la mini d'origine, elle a le berceau qui est fixé. Donc ici, devant et dessous, il y a une plaque aussi avec des signes en bloc. Ouais. Du coup, je me suis repris sur les plaques. J'ai refait des plaques et je suis reparti sur le berceau. J'ai juste renforcé ici en fixant le moteur aussi sur le tablier avec des gros styles en bloc aussi, qui sont okay. Les styles en bloc d'origine du moteur, de la mini, que j'ai récupéré pour faire ça. Mais il n'y a pas de kit qui existe pour mettre ce moteur dans la voiture. C'est pas toi qui as tout. Ah ouais, j'ai tout fait là. Qui a tout, non, il a fallu que je découpe. Tu vois, normalement, il y a une barre qui traverse un tube. Là, c'était là. Une traverse, pas une longue. Ouais. Qui fait ça, qui va jusque là, donc j'étais obligé de le couper, mais derrière j'ai rajouté un tube tout le long. Pour renforcer derrière. Pour renforcer, puis j'ai pu fixer mon pédalier dessus, j'ai fixé pas mal de choses qui sont. Donc tout ce qui est. Bah il y a plein de choses qui sont fixées dessus, du coup j'ai refermé le tablier derrière. Enfin j'ai carrément retravaillé tout l'avant, ainsi que l'arrière évidemment, pour fixer le. Le pont arrière, le train arrière complet, il a fallu tout couper, faire des tôles, faire beaucoup de modifications. Énormément de modifications. D'adaptation forcément un train arrière. Ouais, de... Le radiateur, tu vois, ça c'est la mini. Voilà, d'origine, il est placé ici. Ouais. Bon, il n'est pas tout à fait exactement comme ça, mais il est comme ça pour que l'air rentre et ressorte par les. D'accord. Et là, j'ai rajouté celui de la moto. De la moto. C'est celui de l'ancienne moto, de la CBR, mais je l'ai gardé. Parce que celui de celle-là, elle avait été accidentée, c'est pour ça que j'ai le moteur. D'accord. Il était éclaté, donc je l'ai pas, je l'avais pas. Donc je l'ai pas. Du coup, puis en plus, c'est un double circuit. Donc du coup, j'ai deux refroidissements parce que j'étais pas sûr qu'avec que celui-là ou que celui-là, ça suffit. J'ai mis les deux. Il y a un thermostat de toute façon. Oui, là, après, elle se gère s'il fait trop chaud. Besoin, elle lâche, elle relâche de l'eau ou pas. Enfin, ça se gère tout seul. Donc ça c'est un moteur injection, c'est un moteur 2004 qui sort, donc on disait 175 chevaux sur le papier. Alors, je sais pas si il a à peu près 30 000 km à peine. Je sais pas du tout l'historique du véhicule, du moteur quoi. De la moto, ouais. Moi j'ai juste refait l'embrayage complet, changé la cloche tout parce que c'était usé. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Il a fallu faire le... Il a fallu modifier, mais là, on ne voit pas bien. Vraiment, on la monte sur la remorque et puis tu verras bien dessous. Tout le dessous, oui. Il y a l'échappement qui a été fait de A à Z, évidemment. D'accord. Et l'échappement, c'est pareil, c'est toi qui as repris, tu as gardé le collecteur d'origine ou tu as reparti du collecteur? Là, j'ai gardé le collecteur jusqu'à la reprise, mais je l'ai raccourci. Enfin, c'est un copain qui soude, ça c'est de l'inconel, c'est une matière spécifique. J'ai découvert ça quand je l'ai travaillé. Je l'ai coupé, putain, j'ai vu la couleur des étincelles. Je dis ça, c'est pas de la ferraille. Et j'ai demandé à un copain qui s'y connaît un peu. Il me dit je dis c'est du titane et tout. Il me dit non. Il me dit c'est pas du titane parce que ça coûterait trop cher. C'était d'origine, c'est le moteur, le collecteur d'origine. Il me dit je pense que c'est l'inconel. Je connaissais pas ce matériau. Ouais, ouais. Mais bon, et je lui fais confiance. C'est léger comme tout. C'est comme de l'alu. On a l'impression qu'il est en alu. Et par contre, je peux pas le souder. Moi, j'avais le signe auto, j'ai dit oh là, ça va pas. Alors, j'ai un copain qui est armurier, lui, il a tout pour souder toutes sortes de choses. Ouais, c'est bien. Et il a pris des bouts, parce que je l'ai raccourci. Ouais. Donc, lui, il a pris les bouts que j'avais coupés, que j'avais enlevés. Il a fait des lamelles dedans et il a soudé en métal d'apport. Il a utilisé ça avec son TIG. Il a réussi à bien propre et ça tient. Ouais, c'est super. Il a fallu adapter après la sortie. Je te ferai voir. Par en dessous, on verra mieux. On verra mieux. Du coup, t'as vraiment une ligne sur mesure, forcément. Exactement. Donc, tout est obligé d'être adapté. Le truc que j'ai fait, c'est que je l'ai bien reculé un peu pour pouvoir la sortir sans démonter le moteur. D'accord. Chose que je ne pouvais pas faire avec l'ancien sur le 1000 CBR parce que lui, il tenait vraiment toute la place. Il était énorme, donc lui, j'étais obligé de démonter le moteur pour enlever l'échappement. Mais même pour faire quoi que ce soit dessus, je fallait changer. Celui-là, il y a plus d'accès, tu arrives à mettre les mains derrière, devant. Il est vraiment plus petit. Plus petit, plus puissant, donc bien mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Plus léger aussi. Que demander du coup. Ah ben oui, je le soulève tout seul, alors que l'autre, il faut lâcher. Ouais. Il fait peut-être 100 kg. L'autre. Celui-là, il doit faire 80, je sais pas, 70, je sais pas. Je l'ai pas pesé. Mais il fait bien moins lourd. De toute façon, il peut être que mieux. Plus puissant, plus léger, plus récent. T'as toutes les pièces, tu les trouves. Et puis voilà, c'est électronique,
ça démarre ou ça démarre pas. Il n'y a pas de réglage de carbu et de machin. Donc là, ouais, il part là-bas. On le voit. Il part derrière. Il y a un silencieux intermédiaire. J'ai mis, bah là, on le voit. J'ai mis un silencieux intermédiaire parce que, vu qu'ils sont très chiants, souvent surprise pour le bruit, ben. Je me suis dit, on va en mettre un deuxième. Ouais, sinon ça ferait beaucoup plus de bruit. Quoi. Oh, ça, c'est un truc qu'on m'a récupéré à la déchetterie. Ça doit être un truc de Wish, hein, mais ça faisait déjà, l'échappement arrière, sans le silencieux arrière, ça faisait déjà pas trop de bruit. Enfin, ça faisait un bruit à peu près correct. Ouais. Et du coup, j'ai rajouté quand même le silencieux arrière. Silencieux. Ouais. Pareil, ça, c'est un truc que j'avais récupéré. C'est un truc de... Et tu vois, ça fait un bruit qui passe. Sonomètre, ouais, voilà. Là, le train arrière, on voit bien le pont arrière complet. Tout est... J'ai mis tout en polyflex. Les silencieux blocs, tu vois, il y en a là. Ouais. En fait, il y a trois points de fixation. Ce train arrière, il y en a un là et deux autres sur les côtés là où il y a les rouges. Les bois, les ok, et du coup, ça c'est pareil. C'est toi qui l'as qui l'a monté pour pouvoir adapter. Ouais, ça, donc c'est un support fait, de BM d'origine. Oui, le support où ça. Là. Non, ça c'est une patte que j'ai fabriquée. C'est toi qui l'as faite, d'accord. Ouais, j'ai fabriqué, je crois que je l'ai vissé. Ouais, pour pouvoir l'enlever facilement. J'ai ouais, s'il y a besoin, ouais. Non, après le pont arrière, bah, tu vois, il fuit un petit peu. On s'en fout. Le train arrière, donc tu vois, l'arbre il revient de l'intérieur de la voiture jusqu'à l'arrière. Les cardans, c'est d'origine de la bagnole, il n'y a pas de modif. Okay. Comme ça au moins il casse pas. Enfin, c'est assez costaud. Donc. Les amortisseurs, ça c'est du EMC. C'est des trucs de quad que j'avais acheté sur eBay. Ouais. Et première sortie, donc ça allait bien parce que le. Et première sortie, il s'est mis à fuir. D'accord. Donc il a fallu. Je les ai renvoyés chez EMC qui sont à Villeurbanne. Ils m'ont dit, ben là, c'est aussi cher de les réparer que de leur faire des neufs. Donc là, ça a été le point, ça m'a coûté 600 balles. D'accord. Ils ont récupéré s'ils ont pu, mais sinon, ils valaient 1000 balles d'origine. Un seul ? Non, les deux. Ah, oui, la d'accord. Paire valait dans les 1000 euros. Et d'accord. Il m'a dit, bah, si on fait une réfection voilà, neuf, on peut vous faire à 600 à peu près. Hein. Ouais, il n'y avait donc, pas grand chose d'écart. J'ai dit, bah, ouais. J'avais essayé de bricoler entre temps, je leur avais laissé, j'ai dit, bah, je réfléchis. Et puis j'avais bricolé avec d'autres machins de quad, mais ça allait pas du tout. Alors ceux-là, ben maintenant, tu vois, je leur ai dit, bah, allez-y, hein, réparez-les. Et puis du coup, je regarde pas parce qu'ils marchent super, ils vont bien. Ah, ouais, ils rebondissent pas, ils tiennent. J'ai même pas de barre stable, tu vois. Ouais. J'ai même pas de barre stable et. Bah, il y a eu une époque, je levais un peu la patte, mais là, c'est pareil, à l'avant. Donc il y avait une roue arrière, quand je prenais un virage, j'avais une roue arrière qui levait, comme une Clio. Un peu. Ouais. Et on m'a dit, c'est tes amortisseurs avant. C'est un copain qui m'a dit toi si tu changes tes amortisseurs avant. Je les ai changés, bah là ils sont tout neufs. Je viens de les essayer, tu vois, je sens que c'est mieux. Même tu vois, même avec les pneus de merde de tout à l'heure là, bah je trouve que ça c'était plus facile. C'était plus facile, ouais, la voiture était meilleure, un meilleur comportement. Du coup en fait ils étaient trop souples les anciens. Ah c'est ouais, ça, ouais, bah, c'était trop les origines. Ça lever, ouais. C'était les origines. D'accord. Et là j'ai mis des high-gaz spécial mini, pareil, hein, que j'ai acheté sur le site mini, c'est pas très cher, ça coûte 70 euros je crois pièce. Ouais ouais. Et à gaz, donc réglable avec plus ou moins de compression. De compression, machin. Là je les ai réglés pas à fond mais presque. De toute façon en piste. Non elle est bien, c'est pas un bout de bois, elle réagit bien, elle est réactive. C'est... Non franchement elle est vraiment. Elle est super. Ouais ouais. Elle t'a plu en tout cas. Ouais, j'ai l'impression. Ça, ouais. Tu te fais pas secouer, voilà, c'est ça. Les pneus, ben là c'est du. C'était du slick retaillé, ça. Un copain il m'a donné ça parce qu'il avait ça dans son stock de pneus depuis longtemps. Je sais pas de quelle année ils sont, mais ils sont très vieux. Je pense que c'est des. Je crois que j'avais vu une date 03 ou 04, je pense que c'est 2003-2004. Je pense qu'ils ont eu pas loin de 20 ans.
D'accord. Donc ils sont en train de partir en miettes là, ce côté. Ouais, tu l'as fini. Je l'ai fini, hein. Ouais, tu les as permutés parce que... J'ai permuté, voilà, parce que... Surtout à gauche, du coup... souvent les circuits... Pour réguler l'usure du pneu, quoi. Tournent plus dans un sens que l'autre. Et comme il pleuvait pas aujourd'hui, bah... Oh ben, on s'en fout de la sens des... Voilà. Sur le sec, ça compte pas. Et tu vois, ils tiennent pas mal encore. Je pensais même qu'ils allaient plus user que ça. Et donc tout à l'heure, on avait. Donc t'as laissé les mêmes que ce matin devant, par contre. Ce... Ah ben ouais, parce derrière, que devant, j'en ai pas d'autres, hein, de toute façon. Mais devant, tu vois, ils sont suffisants. Ouais, pour devant. J'ai ouais. pas de perte d'adhérence devant, j'ai vraiment que l'arrière qui est du. Bah c'est normal, après c'est logique. Puis... Et donc là, par rapport à ceux-là, par rapport à ceux de ce matin, derrière, allez, ils sont mieux. Bah, ils sont... En fait, tu glisses quand même, mais tu vas plus vite, je pense. Ouais, il y avait un peu plus de grip, tu vois, la gomme elle est un peu. Ouais. Bah, tu sens, un peu mais plus tendre. Tu as un passage de courbe qui est plus rapide ouais. avant d'arriver au même décrochage. En fait. Donc c'est toujours un petit peu la glisse hein, dans tous les cas, mais c'est plus rapide. Et puis sécurisé, je pense, j'ai l'impression que c'est moins traître un peu. C'est, ils décrochent vraiment doucement. Les autres, ils décrochent assez. Ouais, les NS2 ouais, étaient. Ouais, ils sont plus traîtres, mais bon. Sur ce véhicule ça va, mais sur un autre je pense que ça pourrait être piégeux. Ouais. D'accord. Donc voilà, je pourrais alléger ça aussi, c'est une choc d'origine. Ouais. J'avais retapé tout l'arrière là, cette tour soudée, tu vois, c'est des plaques que j'ai dessoudées, j'ai retravaillé derrière le plancher. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu de poids, faut l'enlever. Ouais, mais c'est derrière, il y a une arête saillante, c'est pour ça que j'ai remis. Sinon, c'est oui, ça cache la misère aussi. Que, et voilà, puis l'arête, c'est vite de se prendre les jambes de lente. Ça fait plus net. Là, on voit, c'est noir, il y a des petites ben, c'est qu'il y a des flammes ou pas. Le moteur est un peu riche. Et puis, si on en entend des fois le. Ouais, des poc-poc. Ouais, alors je pense que peut-être un petit retour de flamme. Un petit retour, ouais, des fois, ouais. Et c'est l'ancien moteur a été très riche. D'accord, oui, c'est pour ça qu'il est pas. Et c'était le même échappement. J'avais le même silencieux. Et ben le même pare-choc. Il sortait au même endroit, donc l'autre a bien noirci, mais celui-là je pense qu'il est un petit peu riche aussi. Parce que tu vois, ça a noirci encore un peu par rapport à d'habitude, il est encore plus noir qu'avant. Je veux dire. Ok. Voilà. Après il y a des modifs. Ouais. Il y en a tellement que je ne sais pas quoi te dire. Je ne savais pas par où commencer. C'est déjà pas mal. Il n'y a plus rien d'origine dans le coffre, il n'y a plus rien, presque plus rien d'origine. Tu vois les suspensions par exemple. Vas-y. Tire sur, voilà. J'étais, tu vois, j'ai pris. Les suspensions sont prises sur ces barres là, qui sont prises sur le. D'accord, sur l'arceau. Donc j'étais obligé de couper, machin. Le plancher, il n'y a plus rien à voir, c'est tout coupé. J'ai viré, il y avait une place de roue de secours, tout ça, j'ai tout enlevé. Ouais, il a fallu, tu vois, il y avait un trou dans le. Tu vois, il y a une plaque pourrie, donc je l'ai remplacée par une plaque saine. Ouais, t'as fait un remplacement. Là aussi. Et des renforts aussi, un peu de partout. Il y a vraiment beaucoup de renforts. Bah, faut qu'elle encaisse les 175 chevaux, quoi. Aussi, c'est et ça. Puis le fait qu'elle était un peu pourrie aussi. Oui, d'où c'est, bas, pour, là, c'est pour ça qu'elle partait aussi à la destruction aussi sûrement. Eh ben, mais entre autres, ouais. Voilà. Non, chez nous, c'est un petit charme. Du coup, voilà, j'en ai acheté une pour que j'ai retapé aussi, mais pour rouler sur la route. Ouais, ouais, voilà. Un peu tombé sous le charme de la mini ouais. Hein. Du coup, l'autre, elle a rien à voir avec celle-là. Ah non, elle est presque d'origine, à peu près. Il y a juste un carbu VBR, je crois. J'ai mis deux, trois petites choses. Performance, mais c'est vraiment un saucisson à côté de ça. Quand t'as goûté à ça, tu rembourses. Oui, c'est sûr. Et tu vois, la blanche chaleur qu'on suivait, elle ouais. marchait, hein, en ligne droite. Mm-hmm. T'as vu, on a... Hein ? Tu la rattrapais pas ? J'ai discuté avec lui, lui, il est en pointe, il est à 150. Genre à 155, 160, mais dans le sinueux, après, c'est parti. Ah non, mais il marchait, hein. Si vous aussi il y en a que ça intéresse quand je vais tourner, je fais faire des tours, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, les baptêmes, les gens me demandent souvent, de toute façon. Et très ouvert, et tu ne mords je pas. Très ouvert, je ne mords pas. On a survécu jusque là. Ouais. C'est pas dit ouais, que oui. ça dure, hein, mais... Non mais en général, elle donne des bonnes sensations. Donc, ouais, elle est marrante, elle est, ouais, cool. Ouais, elle est vraiment cool. En sensation, il n'y a pas besoin de bien plus hein, pour te faire plaisir. Mais voilà, c'est nickel. Donc je te souhaite mon retour. Merci, moi, bah, toi aussi. Hein, et puis un peu de route, hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le petit inconvénient du circuit. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup. Et je te dis
au revoir. Ouais. Et à bientôt. Ah bah merci à toi, merci. De ta chaleur, t'es sympathique et puis ça fait plaisir d'avoir un passionné, de te faire découvrir un peu à des gens qui aiment ça. Ok. Allez, ben, à la prochaine. Merci. Ciao. Salut. Salut.